Y'en est pas, t'as faim ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour tester le Jiren 100%, donc le Jiren qui est sorti sur la version globale, donc aujourd'hui, normalement, quand je publierai cette vidéo, il a pas encore son Dokkan. Là, on va le tester avec son Dokkan parce que c'est beaucoup plus intéressant, il arrivera dans les normalement dans les prochaines semaines. Donc, donc on a cette team-là, tout simplement, et on va go sur le boss rush numéro 2, comme d'hab. Alors, pourquoi j'ai choisi cette... Oula, il y a tout qui se casse chez moi, les gars. C'est incroyable. Alors, pourquoi j'ai choisi cette team-là? Tout simplement parce que le Jiren, il a les liens. Alors, il a héros justicier, si je me souviens bien de l'appellation. 25% d'attaque. Fonceur, 10% d'attaque. Donc, c'est avec dispo, en gros, il active tous les liens, tout simplement. Ah, tiens, il y en avait un. Il y en avait un. Avec dispo, tous les liens sont activés, et ça, c'est plutôt cool. Hop, un petit ici, voilà. Donc, dispo active tous ses liens avec. Il y a juste à regarder. Hop, le petit dispo. Bon, là, c'est Fierce Battle. Donc, tournoi du pouvoir. Fonceur. Donc, le fonceur. Où est le Jiren? Où est le Jiren? Jiren! On va approcher un peu le micro. Comme ça, vous m'entendez mieux. Donc, le Jiren, voilà ça. Et voilà, il est là. On a fonceur avec Jiren, donc hop, on a, où est-il, héros justicier, voilà, attaque plus 25%, et puis Fierce Battle, du coup, il se lie très très bien avec le Jiren. On a le topo Akaishin, donc, qui donne plus 35% d'attaque et de défense, le topo de base, donc celui-là qui est gros, celui-là qui a du bide, qui donne lui... je crois que c'est 30%. 30%, 25% en son Dokkan. C'est 30%. Donc attaque et défense plus 30%. Mais comparé au, au topo Dokkan, il a le lien héros justicier. Ce que topo quand il est Dokkan n'a pas. Donc je trouve ça assez dommage qu'il perde un lien qui sait aussi bien dans cette team là. 25% les gars. Dans une team tournoi du pouvoir avec le leader, c'est assez ouf. Et puis après, on a fait du remplissage. On a pris Kefla, le Super C17. Voyez, voilà. Du coup. On va pas perdre plus de temps. Et let's go. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, les frérots. Si la vidéo vous plaît, tout simplement. Si vous aimez bien les petits tests 100%. On commence avec le petit Goku, comme d'hab. Le petit Jubai. Alors, faut savoir que Jiren, il a attaque et défense plus 130%. Il a une chance de stun de 25%. Et... hop. On va mettre le mieux en premier parce qu'il est 100%. Et il a coup critique garanti quand l'ennemi est étourdi. Quand il est stun, voilà. Il a coup critique garanti. Et ça, c'est ouf. Alors, il monte à 1,8 million d'attaque. D'ailleurs, sa spé, elle est magnifique. Je préfère peut-être l'aspect non Dokkan. Je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs, vous. L'aspect non Dokkan en... du 3M4 d'entrée. 3M5 d'entrée, vous voulez quoi de plus? Du 3M5 d'entrée. Et il y avait un lien qui manquait. Il avait pas Fierce Battle. D'accord, hop. On a le dispo ici. On va mettre le topo avec Aishin. On va mettre le topo avec Aishin. On va partir en spé avec le dispo. Bon, ce tour là, c'est un tour de battement. Nous, on veut Jiren. Donc, on aura l'occasion aussi de tester le Jiren Ami, ce qui est pas plus mal. Comme ça, on pourra voir les dégâts quand il est pas à 100%, tout simplement. Alors, dispo, il augmente son attaque de 50% à chaque fois qu'il part en spé. Et au début du tour, il augmente son attaque de 20% à l'infini. Et son pourcentage d'esquive aussi de 15%, je crois. 15% jusqu'à 60%. Ah, l'aspect du C17 qui est magnifique. Le topo vénère. Moi, je l'appelle le topo vénère, le topo avec Aishin. Il a une tête de daron vénère. Avec sa petite stache moule. Hop. On va garder. Alors, Rota. Ah, bah oui, elle a pas Fierce Battle. J'avais oublié que là, Kefla n'avait pas Fierce Battle. Alors, est-ce qu'il est stun? Il est stun! Donc, les gars, on a un coup critique garanti ici. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est tellement bien d'avoir un coup critique garanti. Je sais pas si vous vous rendez compte. Coup critique garanti. Vous avez du 3,5 millions garanti, quoi. C'est... Peu importe l'adversaire, vous allez lui déglinguer. Mais vraiment, genre, vous allez le déglinguer. Alors, ici, on a du coup... le Jiren Ami. Alors, le Jiren Ami, est-ce qu'il a des doublons? Ah, le Jiren Ami a deux doublons.
Jiren Ami à deux doublons, c'est dommage, j'aurais peut-être dû prendre un Jiren un peu moins monté. Bon bah du coup ça fera le test... Bon il est pas 100% mais là avec Dispo, en gros il a tous ses liens d'activer et il n'y a pas de support dans le tour. Donc il est monté à 1,7 million avec deux doublons. En soi les deux doublons c'est faisable de les avoir, hein. Les deux doublons c'est faisable dans le sens où sur la globale ça va être un portail SSR garanti. 3 multi, une gratuite. Si vous avez de la chance, il y a moyen. Il y a moyen. Franchement, il y a moyen si vous avez de la chance. Et déjà, choper-le une fois, c'est déjà pas mal. Bon, le dispo qui a senti l'attaque qui monte, c'est 17 toujours avec son attaque qui est magnifique. Putain, j'adore les spé uniques comme ça. C'est dommage qu'ils en fassent pas plus. Alors là. Là, les gars. Alors là. Attendez. Ouais, le topo à Kaishin ici. Vous voyez, regardez, alors, très intéressant, avec le topo là, on a 248 000 d'attaque. Alors, à savoir que Dimension des Dieux est activée et Combat Acharné. On change avec l'autre topo, et là, 238 000, alors qu'il n'a pas Combat Acharné. Et Dimension des Dieux, on va vérifier ensemble, je crois qu'il ne l'a pas non plus, je ne suis pas sûr de cela. Hop, plus 3. Bah, héros justicier du coup. Il n'a pas de dimension des dieux. Il n'a pas de dimension des dieux. J'ai baissé. Ah, j'ai touché un truc là. Ah. J'ai touché au son sans faire exprès. Bon, c'est pas grave. Je pense que vous m'entendez aussi bien. Oui, du coup, il n'y a pas de dimension des dieux. Alors. Et maintenant, on va les mettre au milieu. 295 000 d'attaque. Et il n'a pas fonceur. Il n'a pas fonceur. Ça veut dire qu'il manque. Il manque. Comment dire, il manque le dispo, donc qui pourra nous montrer. Bon là c'est un tour où il y a deux supports, donc voilà, même s'il y en a un qui n'est pas d'Ocam, c'est un tour où il y a deux supports. Je ne pense pas que le... Je ne pense pas qu'il va le finir, j'espère pas en tout cas. Ce serait dommage. Il ne le finit pas largement. 2,7 millions d'attaque. Il part à 2,7 millions. Ah, dommage, il a pas crit. Putain, il est parti à 2,7 millions, sérieusement? C'est aussi fort que ça. Bon, du coup, là, on va... Il est stun. On va voir la démonstration du 2 doublons. Du coup, il a augmenté quoi, lui, sur son Jiren? Il a augmenté... l'attaque supplémentaire. D'accord. Moi, j'aurais plutôt conseillé... Ah, non, si, c'est vrai. Faut mieux augmenter l'attaque supplémentaire dans le sens où le critique, il est garanti quand il a un stun. C'est vrai qu'il faut mieux monter l'attaque supplémentaire, il a eu raison. 1,7 million de valeur d'attaque. Ouais, franchement, c'est assez propre. Hein. Et là, il n'y a pas de support dans le tour, les gars. Il y a juste dispo avec lui. Alors là, du 3,2 millions de doublons. Alors là, c'est pas un 100%. C'est juste deux doublons, faut le savoir. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et en plus, ce Jiren, il pourra vous sauver la vie. Dans le sens où, quand il stun, alors est-ce que c'est 17 un fonceur? C'est possible, est-ce qu'il a un fonceur? Non, il y a un moyen très simple de le vérifier, 222 000, non, il a pas de fonceur. Oui, je disais, quand il stun l'ennemi, bah, ça peut vous permettre, par exemple, sur le Super Battle Road, je vous garantis que stun tous les ennemis un tour. Comme il vient de faire là d'ailleurs, ça vous sauve une partie, mais clairement. Sachant que même s'il stun pas, dans tous les cas, il est monstrueux. Sachant que même s'il stun pas, il est monstrueux, il a 30% de boost d'attaque et de défense. C'est assez ouf. Ok, du pied 230 000. Tac, tac, tac. Non, je me lasserai jamais de ces SP, je sais pas vous. Mais 7 SP. Alors là, on a l'autre Jiren. L'ami, hop, on va le mettre là. On va prendre ça. On va terminer. Bon, on va terminer. On va terminer cette phase. Franchement, Jiren, c'est un très bon perso. J'ai reçu un petit message. Jiren, c'est un très bon perso. Dans le sens où. C'est comme les persos en fait qui sortent dernièrement. En fait, ils sont multifonctions. Le Migaté. Il esquive et en même temps il fait énormément de dégâts.
Le Vegeta Blue qui vient de sortir sur la version Jade, donc Diamond d'évolution comme vous voulez. Il a un certain pourcentage de critique, il a aussi un boost de défense. Donc en général maintenant les unités vont être plutôt attaque et défense. Elles vont être orientées sur les deux. Et ça c'est super parce qu'avant c'était que des boosts d'attaque en fait. C'était que des boosts d'attaque et maintenant le jeu il va de plus en plus sur, sur des boosts. Sur le double. En gros, double utilité quoi. Alors là, un seul. Ça c'est une rotation que vous avez clairement. Tout à l'heure j'avais deux supports, mais là c'est sur une rotation. Dans cette team elle est parfaitement normale. Topo et Kaishin, Dispo et. Jiren, parfaitement normal comme rotation. On va monter à combien? 2,4 millions, 2,5 millions presque. Et franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Oh yo 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 yo. Juste avec un support. Oh, juste avec un support. Bon, on va quand même activer le Dokkan Mode de la Vénalité, les gars. Alors, Dokkan Mode de la Vénalité, viens à moi. Si je prends ça, est-ce qu'il va partir en Dokkan Mode? Il y a moyen, hein. On va prendre ça. Si je prends tout ça avec Topo, il va partir en Dokkan Mode, ça se trouve. On va prendre ça. Ça va être pas mal, ça va être pas mal, on va pouvoir partir en Dokkan Mode. Le Dokkan Mode de la Vénalité, on va l'appeler, les gars. Hashtag Dokkan Mode de la Vénalité dans les commentaires. Ah, on va rajouter l'item support. Hein. Ah, j'en ai rien à faire. Hein. Ah, on va aller jusqu'au bout. On va jouer le jeu jusqu'au bout. Là, ce qui serait parfait, c'est que. C'est que Jiren le stun au prochain tour. Bon, là, il va manger ses verres. Hein. Il va sûrement mourir. Ah non. J'ai parlé trop vite. Ouais, mais en vérité, les deux premiers doublons, c'est le plus important. Les deux derniers, vous rajoutent des stats. Ils vous rajoutent 1000 de. Enfin, un peu moins de 1000 de stats. Dans toutes vos stats quoi. Il rajoute aussi. Ah du coup là j'ai pas de support. Et j'ai pas de dimension divine. Bon écoutez, on va faire. Le petit voilà. Le petit Dokkan Mode de la Vénalité. Vous voyez on prend rien comme dégâts. Alors j'ai les pas stun, ça c'est dommage. Ah, j'ai failli, pendant un moment, j'ai eu un moment de battement où j'ai cru que j'allais pas le réussir, mais là ça va. 2,5 millions de valeur d'attaque. Allez, lâche-moi un petit crit pour le fun. C'est vrai que l'espace est super joué maintenant quand même. Hein. J'ai eu 6 millions, c'est dommage qu'il a pas crit. Bon écoutez, voilà pour ce Jiren, hein, incroyable, autant défensivement qu'offensivement. Il stun et il a un coup critique garanti. Quand l'ennemi, quand il arrive à le stun, tout simplement, c'est une chance sur 4, donc 25% de stun tous les ennemis, donc tous les adversaires. Une chance sur 4, dans le combat, ça va sûrement prendre comme une fois normalement. Et ça, ça fait plaisir. Surtout qu'on en a deux pour chaque leader. Et donc voilà, en gros, un tour sur deux, normalement, vous allez avoir un stun, et ça, c'est fantastique. Donc voilà pour cette petite vidéo, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à bombarder la barre de like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Activez les notifs. Pour passer me voir quand je live ou quand je sors une nouvelle vidéo tous les soirs. Un petit live normalement vers 21h30 plus ou moins, ça dépend des galères qu'on a. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.